Alors, bon après-midi, nous sommes donc encore une fois par rapport à ce matin sur la tournée des campus. Et cet après-midi, nous allons décortiquer le thème quelles sont les innovations repérées au sein des territoires, pour quelles compétences ou polycompétences pour un emploi durable. Alors, nous avons un peu à peu près les mêmes intervenants, hein, sauf que Pierre Thorin nous a rejoint pour le campus des métiers et des qualifications. On va aborder le même sujet que ce matin, mais sous un angle de l'exemple. Alors, je rappelle que dans l'aéronautique, on avait parlé de l'usine de 4.0, on avait parlé des innovations technologiques telles que les avions à hydrogène, électrique, biocarburant, impact en fait de tout ceci, y compris du numérique dans la fabrication et dans les métiers. Pour le BTP, ben, on a vu aussi que le numérique prenait une grande place dans les innovations, hein, qu'aujourd'hui, un artisan sans smartphone était un artisan mort, hein, et qu'il faisait beaucoup de choses avec ses fournisseurs, ses clients grâce au numérique et au smartphone. Et dans le tourisme, eh bien, Pierre, donc tu n'étais pas forcément là ce matin, mais nous avons vu effectivement à quel point on a pris en compte l'innovation pédagogique et la formation hein, des futurs professionnels de la montagne sous un angle de la pluriactivité. Alors, je propose à Laurent Juliac du campus des métiers et des qualifications de l'aéronautique de revenir un petit peu sur l'usine du 4.0. C'est vrai que ce matin, on a parlé rapidement de 4.0, donc j'imagine que 4, il y a un 3, il y a un 2, il y a un 1 avant. Donc, est-ce qu'on peut avoir un historique ou prendre un exemple d'un métier qui aurait une évolution sur le 1, le 2, le 3, le 4 dans l'aéronautique? Alors bonjour à toutes et à tous. Alors peut-être que j'ai avoir du mal à faire du. Pardon. J'ai une imprimante qui s'est mise en route juste en même temps, mais c'est pas grave. C'est la digitalisation qui s'invite dans la discussion. Pour revenir donc sur l'usine 4.0, effectivement, il y avait un 1, un 2, un 3, un 4 pour remettre dans la perspective. Donc le 1. On était au XVIIIe siècle, c'était l'apparition de la mécanisation dans l'industrie. Le 2, c'est l'arrivée en fait de la production en série. Donc là, on est plutôt fin 19e et début 20e, on va dire. Le 3, c'est l'apparition de la partie automatisation, donc qui a permis d'augmenter les cadences de production et d'avoir cette notion de travailler en série qu'on a connue, je dirais, à la fin du 20e siècle. Et donc le 4, c'est la partie. L'arrivée du digital et de l'interconnexion entre les diverses structures. Alors, à la fin de mon propos, je reviendrai sur le mécano, entre guillemets, par exemple, le mécano avion. Alors, vous doutez bien que le mécano avion, à la fin du 18e, j'aurais un peu de mal à le caractériser. Donc, lui, on va le retrouver plutôt 20e et puis, bien sûr, 21e. Alors, avant de développer, est-ce qu'on peut rappeler un peu ce que c'est un mécano dans l'aéronautique? Parce qu'un mécano dans l'automobile, moi, je vois à peu près ce que c'est. Par contre, dans l'aéronautique, il s'agit de quoi? Il trafique le moteur comme le mécano automobile ou il fait plein de choses? Alors, le mécanicien, alors déjà, c'est la maintenance dans l'aéronautique est très réglementée. On est réglementé par l'Union européenne, par l'Agence de sécurité aérienne, hein, puisqu'on est tous contents de prendre l'avion et entre guillemets, d'arriver à bon port. Et tant que faire se peut, quand on est sur la région toulousaine, alors quand normalement on est largement survolé par des avions, faire attention qu'on n'en ait pas un qui nous tombe dessus. Donc, Ça c'est arrive vraiment parfois, les deux malheureusement. aspects de la sécurité aérienne, ça, hein. Le transport et le survol des zones habitées. Donc le mécano, qu'est-ce qu'il fait dans ce cadre-là? Eh bien, il fait en sorte que, je dirais, tout au long de la vie de cet avion, on soit toujours en respect avec la sécurité des biens et des personnes. Donc effectivement, on retrouve le mécano, on peut faire l'analogie complète, hein, avec le mécanicien auto, hein, c'est le même principe. Alors on a effectivement des spécialités. On a des gens qui vont plutôt s'occuper de la structure, donc nos carrossiers auto. On a le mécano au sens pur du terme, entre guillemets, qui s'occupe plutôt des systèmes, du moteur, des roues, etc. Et après, on va avoir le mécanicien avionique, ce qu'on appelle l'avionique, qui correspondrait plutôt à l'électricien et qui s'occupe du tableau de bord. Voilà pour faire l'analogie entre notre mécanicien auto et notre mécano avion. Bon, juste pour préciser en termes de niveau, hein, un mécanicien avion, c'est un niveau bac pro, mention complémentaire, c'est-à-dire un an après le bac pro. Donc si je reviens
sur le digital qui vient Il n'y a entre pas de guillemets feu. interférer avec ce mécano. Donc, si on revient ne serait-ce que 10 ans en arrière ou 15 ans en arrière, en termes d'outils, toute la documentation avion était encore largement sur papier. C'est-à-dire qu'on éditait entre guillemets les procédures de travail et certains ateliers le font toujours. Donc, le mécano, il arrivait sur son poste et il y avait un préparateur qui lui avait édité entre guillemets sa carte de travail avec ses tâches à réaliser, puisque là, on ne peut pas déroger à la lecture d'une procédure écrite. Donc, contrairement à ce qu'on fait entre guillemets en mécano auto, si je garde cette analogie jusqu'au bout, quand un mécano auto démonte une roue, il ne se pose pas la question de savoir comment il faut la démonter. Quand un mécano aéro démonte une roue, il faut d'abord qu'il aille chercher la procédure, même si ça fait 20 ans qu'il démonte cette roue, parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir eu une modification de la procédure liée à un événement ou une modification du bureau d'études. Et donc, une des premières critères, entre guillemets, c'est d'assurer que la documentation qu'on a sous les yeux est bien à jour. Donc, c'était un peu compliqué des fois sur la version papier. Et là, le digital, il apporte beaucoup, c'est-à-dire que maintenant, le mécano avion qui part sur avion avec une tablette, avec sa documentation de maintenance, en fait, il est sûr, entre guillemets, d'avoir la documentation qui correspond à l'avion et qu'elle soit bien à jour. Donc voilà une grosse évolution qui va bien sûr dans le sens de la sécurité. Après, les boulons sont les mêmes. Après, les boulons, la procédure mécanique n'a pas changé. C'est la traçabilité associée qui a changé, en fait. C'est-à-dire que on est sûr qu'on démonte le bon boulon avec la bonne clé, cette fois-ci, qu'on va le serrer entre guillemets au couple pour rester terre à terre avec la bonne valeur et le constructeur a bien confirmé que c'était celle-là. Et après, il y a toute la partie traçabilité de suivi de l'opération, c'est-à-dire l'attestation comme quoi j'ai bien fait l'opération, qu'elle a été faite en conformité. Et ça va remonter entre guillemets à l'opérateur de maintenance et au final au constructeur pour dire voilà, les opérations étant bien faites. Et entre guillemets, mon carnet de suivi de mes opérations de maintenance est conforme à ce qu'avait prévu le constructeur. D'accord, donc on a ajouté une couche numérique à la documentation. Donc c'est un peu plus. La tâche est plus complexe quelque part, elle est plus complexe pour le mécano. Du moins, elle doit être plus précise et plus conforme. Ouais, C'est allez. ça. Alors, voilà, il y a l'aspect documentation. Après, sur des tablettes, il y a l'aspect suivi de procédure aussi. C'est-à-dire que rien n'empêchait quelqu'un, entre guillemets, de sauter l'étape 2 d'une procédure. Donc maintenant, on fait, entre guillemets, passer les étapes les unes après les autres et validation à chaque étape. Donc là, on est sûr que toutes les tâches sont réalisées. Ça, c'est un deuxième point de contrôle qu'on n'avait pas forcément. Donc ça gagne en sécurité. Après, ça permet aussi de, quand on est sur des opérations qui sont longues, de faire un suivi. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément le même opérateur qui va intervenir le matin, l'après-midi. Pour savoir où est-ce qu'on s'est arrêté le matin, où est-ce qu'on commence l'après-midi, bah, cette traçabilité-là, elle me donne l'intégralité, entre guillemets, de la procédure. Donc voilà, ça, c'est des apports qui donnent. Alors certes, des fois, ça complique un peu, mais ça donne aussi un cadre plus serein aussi de se dire, voilà, j'ai pas oublié de tâche, j'ai la bonne documentation, ça, j'ai pas besoin de m'en occuper, entre guillemets. Mon esprit, il n'est pas chargé par ça. Je suis bien en train de faire la tâche que j'ai besoin de faire. Bien. Bon, moi j'ai bien compris tout ça. Alors on va voir si traçabilité, tablette numérique, outils numériques peuvent avoir un impact sur le BTP. On l'a vu ce matin, oui, on a vu hein, qu'il y avait plein de choses. Est-ce qu'on peut, Franck, avoir un exemple concret hein? Alors on va peut-être pas aller sur le charpentier. De l'Antéchrist, hein, parce que je crois que le papa de Jésus était charpentier, paraît-il. Mais non, on va remonter à 10, 15, 20 ans en arrière. Est-ce que vous pouvez nous fournir un exemple d'un corps de métier dans le bâtiment qui aurait eu un impact sérieux sur sa façon d'appréhender les différentes tâches ou dans un cas précis? Un petit micro. Bonjour à tous et merci beaucoup de cette question, Monsieur Fourcault. Mais dans tous les métiers, il y a des évolutions et sur le BTP, le numérique en amène beaucoup depuis, on va dire, une vingtaine d'années. Je vais vous donner deux exemples précis sur des métiers et sur des tâches. Le premier concerne la partie rénovation des bâtiments.
et le maîtriser de ces bâtiments-là et comment je m'assure des mètres carrés que j'ai à réaliser ou comment je fais pour le calcul. Il y a 20 ans, on faisait ça avec le mètre ruban. On arrivait chez la personne, on prenait le mètre ruban. Il nous fallait être deux personnes la plupart du temps pour mesurer les pièces, mesurer le mètre carré qu'il y avait à rénover. Il y a 10 d'années, on est passé au télémètre, c'est-à-dire que j'arrive tout seul, j'ai plus d'une personne pour m'assister, et je viens mesurer les pièces avec un télémètre. Et après, derrière, il faut toujours du papier. Il fallait toujours du papier pour pouvoir derrière le marquer cette mesure que je faisais à la main ou en visuel avec un télémètre. Maintenant, il existe ce qu'on appelle les scanners 3D. Vous positionnez ça en fait dans des pièces, vous faites plusieurs positions, ça vous génère des photos et des mesures que vous pouvez avoir directement sur une tablette à l'issue de votre intervention. Et vous pouvez intégrer ces nuages de points, ces photos, sur le plan que vous a délivré le maître d'œuvre et avoir de suite un retour sur, eh bien, avec des logiciels, eh bien, aujourd'hui, je sais très bien que sans avoir écrit un moindre quoi que ce soit sur un papier, eh bien, j'ai le nombre de mètres carrés de ma pièce, la hauteur de la pièce, les difficultés que je vais rencontrer sur cette pièce. Et je peux aussi être plus précis que ce qu'il y avait au préalable grâce à ces outils-là. Donc, avoir une meilleure identification des problèmes que j'aurai sur place parce que comme j'ai des photos, je sais ce que je vais devoir faire et je n'ai pas à revenir sur le chantier parce que la mémoire visuelle, même si elle est bonne parfois, on oublie des choses alors que là, je reprends ma photo et j'ai de suite l'identité de ce que j'ai à faire. Donc, on voit bien que ces outils-là transforment le travail, en fait. Pas de toutes les tâches, mais de certaines tâches, elles le transforment par une meilleure connaissance de ce que je vais avoir à réaliser sur le nombre de mètres carrés et sur la surface aussi des outils, sur lequel je vais opérer. Et je peux travailler aussi à distance, c'est-à-dire que je peux envoyer ça à des personnes directement depuis ma tablette à la sortie de la prise de côte. D'accord, il y a une continuité en fait numérique de la capture de d'informations type quantité, métrage et autres, et on envoie directement soit à un archi, soit un bureau d'études qui va confirmer. Est-ce que, donc là c'est simplement technique, est-ce que dans le bâtiment aujourd'hui on utilise, enfin les artisans je parle hein, bien entendu, des outils numériques de type contrôle non destructif pour évaluer l'humidité des murs, la qualité, parce que quand on parle de rénovation, bah, peut-être qu'une poutre elle est abîmée, donc on sait qu'il y a des expertises qui sont un peu longues. Est-ce que tout ça évolue, est-ce que l'artisan a des outils qui lui facilitent plus ou moins la tâche et qui l'accélèrent, à l'instar de ce que vous venez d'expliquer? Alors, je vais vous dire, l'artisan lui-même, pas trop. Par contre, les diagnostiqueurs immobiliers, beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a une profession qui a émergé il y a une quinzaine d'années, ça s'appelle les diagnostiqueurs immobiliers, ou les bureaux de contrôle, qui ont ce type d'outils pour justement vérifier que la poutre est en bon état, que le ferraillage au sein de la poutre en béton n'a pas été oxydé ou qu'il n'est pas défaillant. Oui, ces structures-là ont ce type d'outils. Par contre, les artisans eux-mêmes ne l'ont pas. C'est plutôt des structures de bureaux de contrôle ou des structures de diagnostiqueurs immobiliers, voire des fournisseurs de matériaux des fournisseurs de matériel type IT, Wirth, qui développent cette gamme de produits pour justement faciliter le travail des diagnostiqueurs immobiliers et des entreprises de contrôle. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit exemple? Je sais qu'on a parlé de l'Ariège dans notre préparation de table ronde. Allez, on n'a pas parlé de Fab Lab, parce que les Fab Labs, c'est quand même très important en Occitanie, notamment hein, sur le territoire de l'Occitanie. Les Fab Labs sont beaucoup diffusés. Je crois qu'il y a une politique de développement par le conseil régional sur ces Fab Labs. Est-ce que les métiers de l'artisanat et du bâtiment utilisent ce genre de lieu? Alors oui, ce type de lieu est utilisé. Au sein du campus, nous, on a une fédération de Fab Lab qui fait partie du campus et un Fab Lab de l'Ariège qui fait partie du campus. Je vais parler de celui-ci en particulier, c'est le Fab Lab
qui s'appelle Lab Place à Oust, au-dessus de Saint-Girons, et en concurrence avec un, on en parlait de charpentier tout à l'heure, avec un ancien charpentier, ils ont développé un outil, une machine à commande numérique, portative, pour aider justement tous les constructeurs bois à pouvoir avoir moins de manuels et plus l'utilisation de machines à commande numérique sur chantier. Aujourd'hui, les machines à commande numérique, on les retrouve souvent en usine, vous voyez, pour l'ameublement ou pour même, par exemple, l'aéronautique. Hein, dans l'industrie 4.0, les machines à commande numérique ont toute leur place. Par contre, aujourd'hui, sur les chantiers, on n'en voyait pas. Parce que ça prend de la place, c'est volumineux, pour les amener, c'est complexe. Par contre, ils ont développé, eux, une machine à commande numérique, portative, et de ce fait, vous pouvez faire ce qu'on appelle tonon, mortaise, donc un trou, comment l'autre pièce va venir s'assembler sur une autre pièce, et au travers d'un programme, eh bien, vous avez ça qui se fait automatiquement. Et ça développe quand même beaucoup le numérique sur chantier pour les entreprises de fabrication en bois, et ça permet aussi d'alléger, je dirais, le travail physique des charpentiers qui aujourd'hui prenaient marteau, ciseaux et faisaient de la découpe sur place. Aujourd'hui, grâce à ces machines-là, ils ne le font plus ou ils ne vont plus le faire. Ça sera fait par des machines. Ça transforme aussi de ce fait les formations parce qu'aujourd'hui, un charpentier, on ne lui demandait pas de savoir programmer une machine à commande numérique. Demain, il va falloir qu'on lui apprenne à se servir d'une machine à commande numérique et à la programmer pour réaliser les pièces qu'il doit réaliser. Donc, vous voyez, ces innovations qui viennent du Fab Lab d'Oust vont sans doute générer des compétences attendues par les entreprises sur le terrain et de ce fait, une révision de certains diplômes pour les amener à avoir ces compétences sur le terrain. Bon, après, il faut compter sur l'intelligence des informaticiens qui, de plus en plus, créent des logiciels et des interfaces qui sont simples hein, d'accès. Et voilà, c'est ça qui est intéressant. Alors, même si j'ai compris que certaines machines étaient encore assez chères, hein, donc peut-être qu'un Fab Lab peut mutualiser ou vous parliez des experts en immobilier qui avaient certaines machines dont ils avaient une utilité au quotidien. Effectivement, je comprends qu'un artisan n'ait pas acheté tous les logiciels ni les machines pour pouvoir faire son métier au quotidien. Alors, on va passer un petit peu au tourisme, à la montagne, hein, cher à Pierre Torrent. Alors bon, on a parlé des deux métiers aéronautiques qui se sont emparés du numérique. Je suppose que les guides de montagne, on parlait des moniteurs de ski. Alors je ne les ai pas trop vus avec des tablettes, mais est-ce qu'on a des métiers type gardien de refuge, par exemple, qui seraient amenés à avoir, à cause ou grâce au numérique, un changement de leur métier, hein, dans l'approche, dans la qualité. Est-ce que on a ces normes-là qui évoluent aussi dans ce type de métier, Pierre ? Oui, alors merci de me donner la parole. Donc déjà, ça va être un contraste puisque je viens de voir mes collègues qui parlaient d'évolution de métier, avec des métiers déjà très structurés, avec des évolutions. Dans le tourisme, la différence, c'est que souvent, le tourisme, il s'est fait directement sur le terrain, et notamment en zone de montagne, il y a un certain nombre de métiers qui sont partis de cette logique-là. Tu évoquais, Eric, la question des guides de haute montagne. Au début, le guide de haute montagne, c'était le paysan qui connaissait la montagne parce qu'il a mené des troupeaux, qui a amené les aristocrates à la découverte des métiers. Et petit à petit, on a vu la formation se mettre en place. Donc, le premier enseignement que l'on peut donner, c'est qu'il y a deux façons de rentrer dans les métiers. Soit on suit son parcours de formation, on s'inscrit dès l'école et on suit. Soit il y a une autre façon, c'est que les acteurs de territoire, à un moment donné, ont besoin de structurer leur profession. Donc, puisqu'on parlait des guides de haute montagne, je vais venir directement à ta question. Est-ce qu'il y a de l'Internet ? Eh bien oui, au Centre universitaire de Foix, il y a une bonne dizaine d'années, on a lancé, à la demande de la profession des accompagnateurs en moyenne montagne et des guides de haute montagne, des formations sur le numérique. Il faut savoir qu'il y a une quinzaine d'années, pas un guide de haute montagne n'avait de site Internet. Et je ne sais pas s'ils m'écoutent cet après-midi, mais ils s'en souviendront.
Sur notre centre universitaire, il y a un cerisier devant les salles de classe. Et le problème, c'est qu'on avait du mal à faire descendre les guides de haute montagne du cerisier parce qu'ils disaient l'informatique ne sert à rien. Et aujourd'hui, si vous regardez le métier de guide de haute montagne, en fait, ils ont des sites et ils ont leur activité qui est essentiellement numérisée et ils vont chercher leurs clients grâce à la digitalisation. Donc là, on voit bien comment une profession, elle-même, ce ne sont pas des normes, ce ne sont pas des lois, c'est rien qui a fait évoluer le système, si ce n'est les acteurs qui se sont pris en main, et c'est souvent comme ça dans le tourisme, qui sont pris en main et qui ont dit « on doit faire évoluer notre profession ». Donc ça, c'est, j'allais dire, le premier exemple. Et là, on voit bien l'utilité, j'allais dire, des centres de formation. Les campus n'existaient pas à l'époque, mais on voit bien comment ils auraient pu répondre à cette époque, à cette question-là. Deuxième exemple, et puisque c'est la question qui m'a été posée, on avait également une profession extrêmement importante pour le tourisme dans les Pyrénées, qui était le métier de gardien de refuge. Puisque pour beaucoup de touristes qui viennent dans les vallées, ils viennent passer 2-3 jours dans une vallée avec un objet de destination qui est la nuit en refuge. Voilà. Et on avait jusqu'à il y a une quinzaine d'années également, aucune formation qui existait et une profession qui n'était pas reconnue. Voilà. Et là aussi, à la demande des professionnels, à la fois des gardiens en place et à la fois des propriétaires, il a été décidé d'organiser une formation de gardien de refuge. Et là aussi, elle est partie, elle a été mise en place au niveau national au centre universitaire de l'Ariège. Et aujourd'hui, c'est un diplôme national et même un diplôme européen. Et effectivement, là aussi, ces gardiens de refuge, évidemment, ils ont des cours directement liés au métier de gardien de refuge avec les fonctions de service public liées au secours, liées à l'accueil des touristes, mais on retrouve aujourd'hui dans la formation et dans le métier, il suffit de regarder un petit peu et de discuter avec des gardiens qui sont en place, on a des cours de marketing, on a des cours d'informatique pour la création de sites internet, et on voit bien que ces métiers ont évolué, et ce qui est important, et c'est là où c'est intéressant, c'est que l'évolution de ces métiers a des incidences directes sur le développement, y compris économique, des territoires et des vallées de montagne, et que derrière, l'évolution de ces métiers qui entraîne un développement économique entraîne de nouvelles compétences dans un certain nombre de métiers, et on a un vrai processus de développement qui se met en place. Donc ça, on voit bien le lien qui existe entre formation, le développement et territoire. Et puisque dans l'auditoire, des personnes souvent en recherche ou d'emploi ou de formation, vous avez effectivement, ça je tiens à le signaler, la possibilité évidemment de vous inscrire dans des cursus, et là nous sommes entre autres là pour ça, comme le sont pour l'emploi, comme le sont les maisons des régions, mais si vous êtes déjà un acteur de territoire, parlez-en à votre collectivité, parce qu'il y a peut-être à regrouper et à imaginer un projet de territoire qui va vous amener à aller chercher des compétences et des qualifications supplémentaires. Bien, alors donc est venu le temps de l'échange un petit peu. Alors moi, j'allais vous poser une question. Là, on a trois représentants hein, de secteurs assez conséquents de l'Occitanie. Hein. On revient sur le territoire de l'Occitanie. L'aéronautique, bon, on sait que Toulouse s'écrit avec deux L depuis des années, des années, des années. Hein, et donc, tous les départements autour de Toulouse ont leur sous-traitants. Il y a un réseau structuré autour de la sous-traitance aéronautique. Donc, on peut dire qu'on est une région aéronautique. Hein, et il est clair, même s'il y en a d'autres. Hein, il y a l'Aquitaine, il y a l'Île-de-France. Sur le BTP, je crois que Vincent Pérez expliquer qu'en fait, il ne fallait pas oublier que chaque région avait une spécificité en termes d'habitat et donc forcément les artisans pouvaient s'inspirer des matériaux, des techniques utilisées dans leur région. Et Pierre vient de nous expliquer que les Pyrénées, il y avait beaucoup de choses à faire hein, et que tous ces métiers-là liés aux Pyrénées et au tourisme pyrénéen était très attractif, hein, puisque tout évoluait en termes de numérique. Alors, est-ce que, Pierre, un jour, on aura un diplôme de pilote de drone pour
pour alimenter les refuges de l'Ariège. Est-ce que ça, on peut imaginer ça? Parce que je sais que chacun a parlé de drones. Hein. Je sais que les drones, ça existe dans le BTP et que ça va être utilisé hein, et que ça l'est au quotidien. Je ne sais pas si bon, les drones, c'est l'aéronautique les fabrique. Hein, donc ça, c'est clair que je sais que l'aérospatiale a créé ses premiers drones déjà il y a une vingtaine d'années. Voilà. Est-ce qu'on peut s'attendre à des métiers encore plus extraordinairement bouleversés par le numérique et des choses qui pourraient attirer nos jeunes que l'on souhaite conserver sur le territoire de l'Occitanie? Alors, pour essayer de répondre, je n'ai pas de boule de cristal, donc je ne sais pas trop. Par contre, j'ai quelques idées. Déjà, ce qui est important à bien noter, c'est que avant, des jeunes se formaient, et ça existe encore, ils se formaient uniquement pour acquérir des compétences et parce qu'ils voulaient aller vers un métier. Voilà, le métier faisait tout. Aujourd'hui, il y a une évolution, on le voit dans nos élèves et nos étudiants et nos demandeurs d'emploi, des reprises d'études, etc. Ils viennent chercher un métier, ça c'est clair, ils viennent chercher des qualifications, ça c'est clair, mais ils viennent chercher aussi l'envie de s'installer dans un territoire. Voilà. Ils viennent de chercher dans un territoire, et la montagne en particulier, et malheureusement la crise actuelle montre qu'il y a un engouement pour ce territoire. Alors, par rapport à ta question, est-ce que demain les drones viendront approvisionner les refuges? Je ne suis pas sûr que ce soit une bêtise. Voilà. Je vais dire pourquoi, et Laurent Gillac répondra sur ça, mais moi je vais sur la question mon propos introductif qui était de dire qu'il y a un lien entre son métier et le territoire. C'est qu'aujourd'hui, les gardiens de refuge, par exemple, et certains gardiens ont conduit des travaux. L'approvisionnement est un problème. Voilà, il est un problème. On a approvisionné les refuges à dos d'homme et à dos d'animal. Voilà. Et après, on a mis l'hélicoptère en place. Voilà. Et il y a eu un travail assez remarquable conduit par un stagiaire gardien de refuge qui a montré que si on interroge les gens en disant qu'est-ce qui pollue le moins en montagne, tout le monde a tendance à répondre c'est l'animal. Voilà, donc on va prendre des mules, etc. Eh bien, en fait, le problème est plus complexe que ça, parce que quand j'achemine avec un hélicoptère, l'hélicoptère, il fait une ou deux rotations, voilà. Et quand j'achemine pour amener les marchandises, quand j'utilise les animaux, eh bien, le fourgon qui vient alimenter les animaux au départ du parking, il fait une rotation, deux rotations, trois rotations, dix rotations, et tout ça combiné, on s'aperçoit que ça pollue plus. Donc, je suis à peu près sûr que la digitalisation en montagne arrivera, y compris sur ces questions techniques, parce que désormais, et c'était ça le propos que je voulais dire, les gens qui travaillent dans leur territoire sont très attentifs à la qualité de leur territoire et à la préservation de la nature. Alors, c'est embryonnaire, mais la génération qui vient, à mon avis, ne fera plus n'importe quoi. J'allais dire, la technique ne fera pas tout. Il faudra aussi que ça réponde à des enjeux environnementaux et des enjeux de préservation de la biodiversité. Et à ce titre, je pense, puisque tu m'interrogeais sur la montagne, je pense que la montagne va devenir, je l'ai écrit encore dans une tribune avant-hier, la montagne va devenir certainement un laboratoire de ce que pourront être, ce que j'ai appelé une société apaisée, c'est-à-dire qui regarde son avenir de manière très constructive, mais qui préserve son environnement. Et il est en harmonie avec son territoire, avec son environnement, et il déploie des activités économiques. Et je pense que la montagne a des ressources. Laurent Julliac, vous vouliez rebondir sur cette histoire de drone? Le micro. Je rebondissais, en fait, ce qui me fait penser à déjà une solution qui existe. Alors je ne sais pas si... On est toujours compliqué de dire qu'est-ce que c'est un drone, mais il existe maintenant des solutions entre autres pour le débarnage avec des dirigeables. C'est-à-dire que le dirigeable revient au goût du jour, et là où on a des difficultés à faire ça de manière mécanique ou manuelle, parce que c'est trop compliqué, mais on met en place, entre guillemets, un système de dirigeable qui fait la navette entre le bas et le haut de manière quasi autonome. Donc, transporter, entre guillemets, des vivres sur un refuge, ça pourrait être aussi une action comme ça. Une autre action qui est aussi portée par les dirigeables, parce que c'est aussi le but de ces engins-là, c'est de porter des charges lourdes. C'est-à-dire que la difficulté qu'on a avec un hélicoptère en montagne, c'est qu'on va porter 500, 600, 700 kilos
Après, ça va devenir compliqué, ou alors il faut de très gros hélicoptères et on n'est pas équipé pour ça. Et les dirigeables, ils ont cette capacité à transporter des charges très lourdes, en fait. Donc, il y a des solutions qui sont là maintenant. Je pense, par exemple, pour EDF, pour remonter des structures sur des barrages, où il y a des alternateurs, choses comme ça, qui sont très, très lourdes à déplacer. Et les voies routières sont des fois très compliquées pour la mise en œuvre. Et on est dans un cycle de réfection de certains barrages qui sont des fois très haut placés dans les Pyrénées. Et on a des difficultés pour les alimenter maintenant avec les nouvelles structures. Voilà, et le dirigeable est une solution qui peut répondre à ça. Donc on n'est pas à l'abri de voir dans les Pyrénées un complément, entre guillemets, des milans ou des aigles, de temps en temps, voir passer des Quelques dirigeables qui vont dirigeables. amener, alors de manière silencieuse pour le coup, du matériel en montagne. Donc effectivement, je pense que cette notion aussi de préserver l'habitat, voilà, on est complètement en phase avec ça quand on parle de dirigeable en montagne, je pense. Allez, je laisse Franck Guillemot s'exprimer sur le Oui. dirigeable dans le BTP. Est-ce que c'est une. Alors. Non, mais le dirigeable, Laurent vient de me donner une idée parce qu'en fait, on est en train de créer une cabane pastorale pour des bergers à 2000, et qu'on va implanter à 2200 mètres d'altitude entre l'Ariège et l'Espagne. On va faire intervenir en fait un hélicoptère qui va venir porter des charges de maximum 700 kilos. Et il va devoir faire 3 ou 4 rotations. Pourquoi pas le dirigeable la prochaine fois qu'on aura affaire à ces activités-là pour justement être plus dans la transition énergétique. Moi, je voulais revenir sur les propos de Pierre sur aujourd'hui ce que les jeunes attendent par rapport à la société et par rapport aux et les entreprises. Aujourd'hui, les entreprises en recrutement, elles ne développent plus la communication sur le métier, mais sur l'environnement de ce que fait l'entreprise et des valeurs que l'entreprise amène. Aujourd'hui, ils communiquent sur leur RSE, ils communiquent sur les méthodes constructives nouvelles, sur un environnement apaisé, voilà, et communiquent sur ça pour justement attirer les jeunes. Et c'est ce qui attire les jeunes aujourd'hui, c'est cette communication et la réalité de l'entreprise à se fondre dans leurs objectifs de préservation de la planète. Et c'est un vrai sujet aujourd'hui de discussion entre les entreprises et les jeunes qui cherchent un emploi. Bien, bah écoutez, on va voir si valeur, environnement de l'entreprise et innovation sont les questions qui sont posées cet après-midi sur le chat de la tournée des campus. Juliane Boistel, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, avec le micro, ça va mieux. Oui, Voilà. pardon. Vous entendez bien? Oui. Alors, est-ce qu'on a des questions sur ce qui vient d'être expliqué et est-ce que tout le monde est d'accord sur cette histoire de drone équipé d'un aéronef? Alors, pas trop de réactions sur le drone. Je pense que les internautes en face doivent être en train de faire des recherches parallèles. Peut-être qu'ils ont été un peu surpris par ces propos. Par contre, une question qui a été posée sur le chat. On a parlé beaucoup d'innovation et donc de comment les salariés, les métiers sont impactés par l'innovation. Mais est-ce que du coup, vous avez constaté qu'il y a des nouveaux projets d'entrepreneurs et d'entreprises du coup qui cherchent à innover pour venir s'installer dans les Pyrénées? Est-ce que vous avez des témoignages sur ce sujet-là? Aéronautique, BTP, tourisme. Oui, enfin, moi je peux répondre. Alors, Ah. Juliane, je crois qu'il faut Pour enlever le copier coup. votre micro. Voilà. Voilà, donc oui, je peux répondre effectivement. C'est une autre approche et qui est je veux dire, la suite de ce que l'on vient de dire. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, la formation et le métier que l'on souhaite exercer, il va s'inscrire dans un projet de vie. Voilà, il va s'inscrire dans un projet de vie. Et qu'effectivement, il y a un certain nombre de territoires qui n'ont pas, je dirais, les emplois qui existent comme ça. Et on voit beaucoup d'étudiants ou de reprises d'études
qui arrivent dans certaines de nos formations avec l'idée de se former, bien sûr, mais d'avoir un projet de vie. Et parmi les éléments pour s'installer dans le territoire qu'ils souhaitent, ils créent leur propre entreprise. Voilà, donc ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, il y a un lien, mais je pense que mes collègues seront plus à même que moi de répondre. On s'aperçoit qu'il y a un lien, j'allais dire souvent étroit, entre celui qui cherche à innover dans son métier ou dans son entreprise et la qualité de vie. Et on voit des laboratoires qui viennent de s'installer, des entreprises avec des technologies extrêmement pointues, etc., qui viennent s'installer dans des lieux un peu privilégiés comme le sont la montagne, parce que des ingénieurs parfois de haut vol cherche un cadre de vie adapté pour eux. Donc, on voit bien que là, aujourd'hui, il y a aussi une évolution et on voit les jeunes et moins jeunes, ils ne sont pas tous en attente, j'allais dire, c'est important, d'aller chercher des emplois, mais une majorité, un nombre de plus en plus important d'individus créent leur propre entreprise. Et si je prends l'exemple de l'Ariège, si je regarde ce que déploie l'agence Ariège Attractivité, on voit bien que dans ce domaine-là, il y a des possibilités pour venir s'installer. Franck Guillemot, est-ce que vous constatez dans le BTP, par rapport à ce qu'on disait ce matin, justement, l'utilisation des biomatériaux, des ressources qui protègent le territoire, les maisons à ossature bois, est-ce que vous constatez qu'il y a de plus en plus de créations d'artisans qui peuvent se spécialiser dans ce genre de métier, ou on est encore sur le BTP, genre béton, briques, la maison des trois petits cochons? Ça, c'est pour vous réveiller un peu, hein, parce que… Non, je ne dors pas du tout. J'écoute avec attention ce que dit M. Torrent. Alors, sur le BTP, je ne vois pas encore arriver ça. Je dois l'avouer, on ne voit pas arriver cette émergence-là de l'innovation sur les territoires. C'est quand même beaucoup les majors aujourd'hui du BTP qui tirent l'innovation. Malgré tout, la crise du Covid amène quand même à une certaine réflexion sur je peux travailler à distance, je peux travailler différemment, et donc je peux, dans des certaines situations conceptuelles sur le bâtiment, avoir des emplois délocalisés, pas toujours avec un bureau. Donc on peut avoir des personnes qui vont s'installer sur des territoires où il faut quand même avoir un certain réseau et un certain débit pour aller sur Internet, pour pouvoir faire des visios, aller faire des recherches. Donc, des emplois d'ingénieurs peuvent être délocalisés. Bien sûr que le bois prendra une importance de plus en plus importante dans la construction. C'est voulu par l'État avec des notifications spécifiques, avec un volume d'activité minimale en 2030 et 2050 qui ont été actées par l'État. Mais c'est encore embryonnaire que de voir des innovations sur le BTP sur des territoires. D'accord. Laurent Gilliac, donc je sais que le secteur de l'aéronautique, c'est quand même un secteur assez fortement capitalistique, donc il n'y a pas une entreprise aéronautique qui se crée tous les matins. Mais cependant, est-ce qu'il peut y avoir des spin-offs, des petites start-up qui essaient de se créer, ou des gens qui s'extraient de l'aérospatial ou de Airbus et qui ont la volonté de continuer sur le chemin de l'aéronautique? Alors, je sais qu'en Ariège, on en a qui ont quitté le monde de l'aéronautique pour faire des élevages et des produits locaux, mais ce n'est pas le propos de ma question. C'est, est-ce qu'on peut avoir cette envie aussi dans ce secteur-là de petites entreprises qui correspondent un peu plus aux valeurs d'aujourd'hui et aux valeurs du territoire? Alors, je répondrai avec deux angles, entre guillemets. Il y a effectivement quand même, malgré tout, des start-up qui vont chercher des nouvelles technologies. Et je pense, alors, je n'ai pas en tête sur l'Ariège, mais il y en a une qui s'est positionnée sur Franck Casal, sur un avion électrique, par exemple. Donc, il y a beaucoup d'émergence d'avions, de petits avions, entre guillemets, et qui vont faire appel à des nouveaux matériaux et avec cette capacité. Et c'est l'intérêt aussi là du 4.0, c'est de pouvoir aller chercher des compétences sur le développement de tel ou tel procédé ailleurs,
et le mobiliser sur son territoire. Donc, on a ces petites structures qui créent, entre guillemets, ces avions-là. On sait que je pense aux planeurs, et je ne reviens pas sur l'histoire de Poitiers, où les planeurs, ils aiment bien voler, mais il faut quand même qu'on les y amène. Donc, ils avaient les avions électriques pour au moins les déplacer, au moins pour le démarrage, ils seraient bien contents. Donc, il y a quand même cet aspect-là, il y a quand même des petites structures, hein, de quelques personnes qui se mobilisent sur ces axes-là. Et ça revient un peu sur le propos de Pierre, c'est avec cette qualité, essayer de retrouver de la qualité de vie et un cadre. Et après, il y a un deuxième aspect, c'est au travers de la digitalisation, c'est que maintenant, on a beaucoup de données à traiter. Et ces données-là, eh bien, une fois qu'on est connecté, on peut aller les chercher n'importe où et n'importe quand. C'est-à-dire que, bon, modulo, bien sûr, que le BTP ait fait son travail et qu'on ait une connexion Internet qui fonctionne à haut niveau. Mais on peut très bien faire du traitement de données au fin fond de l'Ariège sans aucun souci, entre guillemets, dans sa petite entreprise ou même dans son bureau à la maison. Et le télétravail, et la crise nous l'a montré. C'est-à-dire qu'on arrive à faire des choses qu'on ne pensait pas faire, je pense, il y a ne serait-ce qu'un an, et qu'on arrive à faire et on arrive à fonctionner. Et il y a beaucoup de métiers où on va traiter de données. Ça, c'est une très forte évolution. Alors, c'est des niveaux... Alors, certains niveaux qui sont assez élevés, et là je pense que ce que disait Pierre, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se dire, voilà, qui ont un master, qui ont un diplôme d'ingénieur, un data scientist qui traite les données, eux ils n'ont pas besoin d'être dans un bureau à Toulouse pour fonctionner, ils peuvent très bien le faire de chez eux, et je pense qu'à choisir, il y en a certains qui préféreront effectivement aller dans une vallée de l'Ariège, où il fait bien mieux vivre une fois qu'on est sorti et qu'on a, entre guillemets, raccroché son téléphone. Donc, malgré tout, voilà, c'est le numérique qui va, entre guillemets, vers la campagne ou vers les montagnes. Et je pense qu'il y a du développement de ce côté-là. Bon, pour autant que, bien sûr, on ait les infrastructures qui suivent. Mais ça, je pense que là, on est au cœur de... Voilà, on est en train d'y passer. Donc, Oui, et puis comme on disait en préalable, bon, l'aéronautique, ça a été quand même un des premiers secteurs à essayer de se diffuser dans toute la région Occitanie. Donc pour un jeune qui veut travailler en Ariège ou dans les Hautes-Pyrénées, dans le Lot, il y a plein de sous-traitants de différents niveaux qui travaillent sur plein de métiers qui concernent l'aéronautique. Et donc on n'est pas obligé de tous aller à Toulouse pour travailler à l'aéronautique, même si effectivement pour aller voir le stade toulousain, c'est plus pratique. Julien, est-ce qu'on a d'autres questions dans le chat, ou est-ce qu'on conclut? Parce que je vois qu'il est 16h18. Alors, on est bon dans le timing, on n'a pas d'autres questions. Bien, mais écoutez, messieurs et dames, hein, je vous remercie beaucoup. On a essayé de défricher par l'exemple cet avenir de ces trois secteurs là, qui nous ont occupés cet après-midi. Je vous remercie à tous. Merci. Au revoir. Beaucoup.